ça n'a pas l'air trop grave. Ça devrait marcher. Désolé, je suis un peu dans les vapes. Tu m'as parlé. C'est un truc que Sarah m'a appris un été avant. Enfin, bref, il y a une plante qui pousse dans le coin, la lavande. Elle pousse à l'ombre, le long des rivières et sur les rives des lacs. Je vais essayer d'en trouver. Putain, vu l'état de mon bras, je suis prêt à tout fondre. Regarde ta lavande, je veux de quoi fumer. Cause toujours. Je vais trouver des plantes et en faire un beau pour les moulures. Comme ça, t'arrêteras de te plaindre. Ouais, ok. Désolé, Forgin, c'est juste que je deviens dingue à force d'être enfermé ici. T'inquiète, Guzman. On partira vers le nord, c'est promis. Pour pas longtemps. Ouais, terminé. Non, oh, fils de pute! Hey Dick, ça roule. Je m'emmerdais. Je me suis dit qu'il fallait voir si je savais encore faire des choses. Passe quand tu veux, je pense que ça te plaira. Guzman, merci vieux. Je passerai. Ça n'a pas l'air trop grave. Thank you.
C'est bon. Hé, hey, Boozer. Bordel de merde. C'est drôle, je repensais à la fois où... Il y a plusieurs étés de ça, Sarah m'a emmené à Bear Creek. Pendant qu'on cueillait de la lavande, elle m'a appris à... Elle m'a appris à faire un baume pour les brûlures et... Écoute, je suis sorti aujourd'hui. D'accord? J'ai inspecté la montagne, relevé quelques pièges. Mon bras est presque rétabli. Très bien. Ok, je vais le laisser ici et... Hey, laisse-moi encore un ou deux jours. D'accord? Puis on file au nord, comme t'as dit, loin de cette merde. Ouais. C'est ça. Ouais, en faire quelque chose. Voyons ce que je peux faire. Dick, t'es là? Ouais, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? On a été violemment attaqués. Des Reapers, une vingtaine, peut-être plus. Enfoiré de Reapers. La petite dont tu te souciais tant. Lisa? Attends, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Lisa? Disparue. Il l'a enlevé avec trois autres. Alkaï les a suivis aussi loin qu'il pouvait, mais ils sont terrés au cratère Belknap. Il est revenu pour rassembler quelques hommes. Bordel, ok, écoute, j'ai vu ce que ces fils de pute font à leurs otages. Pas question d'attendre. Thank you.
Voyons ce que je peux faire. Un seul de ses cheveux aurait pu une merde. Je vais tous vous buter, que vous l'ayez touché ou non. Tiens bon, Lisa, j'arrive. C'est quoi? C'est Alisa? C'est pas un Reaper en tout cas. D'ado. C'était sûrement Lisa. Elle a été traînée par ici. La voix. Enfin, si vous avez touché à un seul de ses cheveux, pendant le soir et je vous bute jusqu'au dernier. Là-dedans.
c'est les âmes libérées qui mènent la danse, hein? Sauf si elles sont toutes mortes. Putain. Mais qu'est-ce qui cloche et c'est taré? Non, elle est pas là. Où t'es, Lisa ? On va suivre la voie. Elle est forcément quelque part par là. Rester sur la voie. Et on nous tend les bras. Le jour est venu. Car les gens nous avons tiré. Personne vous rejoindra. Hey, souris, ça a été trouvé, pas vrai? Nous avons été trouvés. Quoi qu'il te fasse, essaie de tenir bon. Lisa, je viens te sauver. Il me les faut. J'ai entendu un... Elle doit être par là. Grande surprise, la mèche. Et je marche sur la voie finale. Je dois suivre la voie. Elle est forcément quelque part par là. Ah, faut que j'aille voir. Et on nous tend les bras. Le jour est venu. Je viens de Californie. Je faisais pas. Personne vous rejoindra. Hey, souris, t'as été trouvé, pas vrai? Oui, force les deux. Mets-lui la misère! Tiens bon, Lisa. Quoi qu'il te fasse, essaie de tenir bon. Lisa, je viens te sauver. Il faut le libérer! Il doit renoncer.
Elle doit être par là. Lisa doit être là-haut. Enfin. C'est plus tendre. Oh, je sais, t'oublies un code, pas vrai? Interdiction de tirer sur une femme, à moins d'y être obligé. Ce grand jour est arrivé. Fais chier. Ok, écoutez, laissez-moi vous expliquer. Fouille la glacière. Oh.